Bonjour chers internautes, on pourrait se croire à un dimanche à la campagne, absolument pas. Nous sommes une nouvelle fois aux foires de Champagne. La dernière fois nous vous avons parlé de l'ameublement, de la partie innovation, mais aussi des expositions. Il est temps pour nous, grâce au temps presque propice, de vous montrer la partie extérieure et finir notre voyage dans la gastronomie. Allez, suivez-moi. Comment s'appelle déjà, tout d'abord, la cantina di Castelluccio. Oui, ce qui veut... Ah, la cantine. Ah. Oui, voilà. Donc voilà, nous sommes de Corse. De Corse. Et qu'est-ce qui vous a fait venir dans l'aube? Qu'est-ce qui m'a fait venir? Voilà. À le savoir. Hein, la folie. Voilà, parce que j'avoue que la semaine n'a pas été très ensoleillée. Non, mais c'était un effet de circonstance. Voilà, oui. Voilà, d'accord. Et donc, du coup... Donc alors, qu'est-ce que les Corses font en cuisine, ah ben, à peu vous près avez, en cuisine, vous avez du nouveau Corse, 100% d'origine Corse, hein, qui a été abattu en Corse, qui a été élevé en Corse, sous voilà, la mer. 100% Corse. 100% Corse. Voilà. Des petites maisons, parce que nous sommes charcutiers, donc oui. Nous sommes charcuteries, donc nous faisons le fromage de tête. Nous avons des tripes cuisinées sans légumes. Nous avons plusieurs propositions, omelette au brunch. Oui. Le brunch, c'est un fromage au frais. Qui sera jusqu'à maintenant, d'ici quelques jours, un mois, ça ne sera plus d'actualité. D'accord. Parce que c'est un fromage de saison. Donc la saison d'hiver s'est arrêtée, donc maintenant l'été n'a plus de brunch. D'accord. Et avec ce brunch, nous faisons le gâteau de fiadone, qui est un gâteau de brunch. D'accord. On va le faire le fiadone. Et Il y a le fromage de pâte, enfin voilà, gâteau de charcuterie, le fromage, tout ça. D'accord. Vous êtes un restaurant itinérant ou vous êtes vraiment implanté en Corse? Non, moi je suis implanté en Corse. Oui. Mais sans restaurant. D'accord. Ok. D'accord. Non, mais c'est intéressant. Mais on a toujours été dans la cuisine. Toujours à la cuisine. Et depuis petit. Voilà. Ah, d'accord. Oui, c'est une tradition. C'est ça, voilà. Non, et puis mixer un peu le côté patriote corse et familial et en même temps la cuisine, c'est toujours positif. Exactement. D'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Merci de l'accueil de la foire de Champagne. Voilà. Hein, merci. En espérant que nous allons passer un bon week-end et que... Le soleil sera un petit peu plus là. Exactement. Voilà. Les pieds humides, la voilà. Phase, ça va vous faire bizarre quand vous allez retourner en Corse. Oui. Ouais. J'ai envie d'ailleurs. Hein. J'ai pas dit le pension à la...
peut aller plus vite, mais avec l'assistance électrique, on peut aller qu'à 25 km. D'accord. C'est la législation française, au-dessus de 25 km. 25 km. Voilà. Ah d'accord, je savais pas. C'est dans la famille des cyclomoteurs. D'accord. Donc tous les vélos, on peut pas faire plus de 25 km. On peut aller au-dessus de 25 km, mais après, à 25 km, l'assistance se coupe. Voilà, d'accord. Après, c'est l'inertie et la force de la personne qui fait pédaler. D'accord. Qui fait avancer le vélo. Qui fait avancer. D'accord, okay. Et après, au niveau autonomie, sur les vélos, on a entre 50 km d'autonomie. Impressionnant. Je pensais pas, parce que j'avais toujours cette image un peu de entre guillemets gadget. Enfin, ouais. C'est, dans les premiers c'était un peu ça. Mais là, vraiment bien. Hein. Et au niveau du tarif, ça varie combien à peu près? On démarre à 1100 et on va jusqu'à 3500. D'accord. Ah donc c'est un bon investissement quand même, parce que c'est intéressant justement sur ce panneau qui justement va se mêler au décor. Hein. Donc maintenant ça ne fonctionne plus au soleil, ça fonctionne à la lumière, ça va tout changer. Les batteries ont aussi, peuvent avoir jusqu'à 16 ans d'espérance de vie. Donc pour vous dire que c'est une bonne innovation made in France.